Donc, quelques idées comme ça pour démarrer, puis ensuite, donc, ce que je propose, c'est qu'on réfléchira ensemble justement qu'est-ce qui peut générer ces conflits dans le couple. Alors, un petit peu d'histoire de la philosophie. Finalement, il y a assez peu de philosophes qui ont parlé du couple. Donc, il y a pas mal de philosophes qui ont. Enfin, il y a quelques philosophes qui ont parlé de l'amour. Mais philosopher sur le couple, sur la vie de couple, alors là, à ma connaissance, c'est beaucoup plus rare, hein. J'ai pas fait une recherche exhaustive, mais bon, alors il y a des philosophes comme par exemple un texte très connu, c'est le Banquet de Platon, dans lequel les participants à ce banquet vont parler de l'amour, hein. Et alors, il y a 8 participants qui parlent de l'amour. Il y a 2 discussions qui sont les plus reconnues. C'est d'abord le mythe d'Aristophane qui peut être assez intéressant. Aristophane raconte une histoire qu'il y a très longtemps, les humains, en fait, ils avaient 4 jambes et 4 bras. Ils étaient une sorte de boule comme ça. Une sorte de boule, et les humains étaient extrêmement prétentieux. Ils cherchaient à rivaliser avec Zeus, et Zeus, finalement, pour les empêcher d'avoir de telles ambitions, Zeus les aurait coupés en deux. Donc c'est le mythe de l'androgyne. Au départ, on était réunis, hein, et donc maintenant, une fois que les humains ont été coupés en deux, eh bien ils ont cherché à se réunir avec beaucoup d'inquiétude, et ils ont cessé de vouloir rivaliser avec les dieux. Et donc, d'où l'idée d'une âme sœur, d'où l'idée qu'on aurait sur cette planète, quelque part, une âme sœur qui ferait qu'enfin, on serait complet. Donc, on souffre d'une sorte de manque, et en rencontrant cette âme sœur, eh bien, on recomposerait l'être entier qui existait au départ. Donc ça, c'est dans le Banquet, il y a un des personnages qui raconte cette idée-là de l'amour. Quant à Socrate, il prend la parole aussi en parlant de l'amour. Socrate, lui, va dire que l'amour, c'est une relation qui, petit à petit, en partant de la chair, du désir amoureux, du désir sexuel, petit à petit, nous élève à des valeurs beaucoup plus hautes pour Platon, hein, parce que chez Platon, il y a une certaine dépréciation de tout ce qui est de l'ordre de la chair, du corps et des apparences. Donc il faut aller au-delà pour aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de la beauté, de la vérité. Donc l'amour comme une occasion de s'élever, en fait. Donc ça, c'est le discours de Socrate. Mais jusqu'ici, hein, donc on ne parle pas beaucoup de la vie de couple. Et il faut savoir qu'en grec, il y a 3 mots pour désigner l'amour. Il y a donc Eros, l'amour au sens d'érotique, de relation charnelle, qui n'est pas tellement valorisé dans la philosophie grecque, parce que le problème d'Eros, c'est sa démesure, hein, et c'est la perte de contrôle qu'on peut avoir dans ce type de relation. Donc ils sont très méfiants, parce que les Grecs sont plutôt les amis de la mesure, du contrôle de soi, hein. La démesure, il y a un mot grec pour désigner ça, c'est l'hubris. On en veut toujours plus jusqu'à la folie, quoi. Donc ils vont plutôt valoriser un autre terme qui est philia, parce que nous, en français, on n'a qu'un seul mot, c'est amour, mais en grec, donc il y en a 3. Eros, dont je viens de parler, philia, qui est plutôt de l'ordre de l'amitié. Donc ce serait une relation beaucoup plus philosophique, parce qu'elle se construit sur la raison. Par exemple, dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote va parler des différentes formes d'amitié, et on n'est pas du tout dans du passionnel. Et puis ensuite, il y a un troisième terme, agapé, qui est un petit peu de l'ordre de la charité, de la générosité, un peu de la charité chrétienne. Alors bon, donc l'amour dans le sens de l'amour érotique et passionnel, donc les philosophes antiques s'en méfient. Par contre, ça va revenir au goût du jour un peu avec les romantiques. Et chez les philosophes, on peut penser à Rousseau qui valorise l'amour passionnel. Alors il en parle plutôt dans des textes littéraires, hein. Donc c'est pas vraiment pensé sur un plan philosophique.
l'amour et la relation de couple. Alors, il en parle dans des textes littéraires comme Les Confessions, ou bien comme dans La Nouvelle Héloïse, qui est à mi-chemin entre un texte littéraire et un texte philosophique. Et donc là, il valorise l'amour comme une sorte d'exaltation, hein, d'exaltation romantique qui nous fait atteindre quelque chose qui nous transcende, quoi. Et puis, alors, si, y a un philosophe qui parle un petit peu qui questionne un peu la vie de couple, c'est Kierkegaard. Alors, chez Kierkegaard, il y a l'idée, c'est un philosophe qui pense des stades de l'existence. Il dit qu'il y a un mode de vie qu'il appelle esthétique. Et pour Kierkegaard, quand on est dans cette phase esthétique, eh bien, on est attiré par le plaisir de la séduction. Hein. Cette phase esthétique, c'est par exemple Don Juan qui cherche à conquérir des femmes et qui vit dans l'exaltation du désir. Donc, ce qu'il aime, Don Juan, c'est éprouver ce désir parce que ça le met un peu au-dessus de lui-même. Ça lui fait peut-être aussi oublier l'ennui de son existence. Donc, il va de conquête en conquête, de plaisir en plaisir. Et donc, ça, c'est ce dont parle Kierkegaard dans son journal qui s'appelle Le Journal du Séducteur. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui va séduire une femme et une sorte de jouissance comme ça à séduire cette femme. Et évidemment, une fois que le désir est consommé, après, ça ne dure pas très longtemps, il faut passer à une autre femme, recommencer. Alors Kierkegaard va dire que ce mode esthétique, ce stade esthétique de l'existence, ben finalement, il risque de conduire à une sorte de désespoir parce que on passe d'un plaisir de l'instant à un autre plaisir de l'instant, mais il y a un moment où finalement rien n'est construit, hein, ça reste assez superficiel. On voudrait retenir ces moments d'un beau coucher de soleil avec l'être aimé, mais ces instants-là, on ne peut pas les faire durer. Hein, ils sont voués à être éphémères. Donc, pour Kierkegaard, ça risque de nous mener au désespoir. Alors, il parle d'un autre stade qui est moins sexy, hein, moins excitant. C'est le stade éthique. Alors, tout ça, c'est dans un bouquin qui s'appelle Ou bien, et le stade éthique. Donc là, c'est une vision de l'amour beaucoup plus engagée. Il va valoriser l'amour conjugal. Alors, il ne s'agit pas de décrocher la lune pour son amoureux, mais il s'agit d'être capable de faire des gestes quotidiens. Ce n'est pas un idéal extraordinaire, mais arriver à construire quelque chose dans l'ordinaire de la vie de tous les jours. Donc là, il développe ça avec l'idée, voilà, les valeurs qu'il trouve dans ce stade éthique, Kierkegaard, c'est l'engagement, la fidélité, le choix. Hein. Pour Kierkegaard, c'est un des premiers philosophes existentialistes. L'idée qu'on s'engage dans quelque chose et quand on s'engage dans quelque chose, on ne peut pas tout choisir. Don Juan, il veut tout, mais finalement, il n'a rien. Et dans le stade éthique, ben on s'engage dans un choix, ça veut dire aussi un renoncement, mais en même temps, ça va être, selon Kierkegaard, quelque chose de plus profond. Donc voilà, ma connaissance, c'est dans ce texte qui s'appelle Ou bien, quand il parle du stade éthique, c'est un des rares philosophes qui a réfléchi un petit peu à qu'est-ce que ça peut être la vie de couple sur la durée, hein, parce que sinon, c'est. Il parle d'amour, mais il y a pas de, enfin, je ne connais pas de philosophe qui parle de la vie de couple sur la durée. Alors, il y en a quand même un autre qui détaille pas vraiment la vie de couple sur la durée, mais qui a une idée sur l'amour qui est assez étonnant. C'est Charles Fourier, un philosophe du 19e siècle, un philosophe qui est classé dans les philosophes utopistes. Et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle La théorie du nouveau monde amoureux. Alors, lui, c'est une sorte de mixte. Il pense que la fidélité en amour est importante, mais la fidélité, il ne la place pas dans la fidélité sexuelle. C'est-à-dire qu'on peut être fidèle toute sa vie à quelqu'un,
mais pour lui, ça ne veut pas dire qu'on va lui réserver l'exclusivité sexuelle. Et donc, il dit qu'on a des amours pivots. Hein. Alors, on en a un, deux dans une vie. Donc, c'est des personnes qu'on aime toute sa vie. Mais ça n'empêche pas d'avoir des aventures sexuelles avec d'autres personnes. Donc, ça pose la question, qu'est-ce que c'est que la fidélité? À quel moment suis-je infidèle à quelqu'un? Alors, pour beaucoup, dans notre culture, être infidèle à quelqu'un, c'est coucher avec quelqu'un d'autre. Pour Fourier, non. Être infidèle, ça serait trahir cette relation qu'on s'est promise l'un à l'autre. Ça serait se mentir, par exemple. Parce que pour Fourier, tout est dit. Hein. C'est-à-dire, si j'ai une relation avec quelqu'un d'autre, eh bien, je vais le dire à mon partenaire. Donc, il n'y a pas de mensonge. Oui, parce que Fourier, il y a quelque chose là, c'est un texte qui est très drôle de Fourier, s'appelle La hiérarchie du cocuage, où il a répertorié 60 espèces, 76 espèces de cocus. Parce que Fourier, il faut savoir qu'il ne vivait pas de sa philosophie. Il était représentant de commerce et il voyageait beaucoup dans des diligences. Et dans les diligences, il avait le temps de questionner les personnes qu'il rencontrait. Et il observait beaucoup les êtres humains. C'est très drôle. Alors, toutes les façons d'être cocu. Le cocu qui est bien content parce que finalement, sa femme le trompe. Mais comme lui, il fait ses petites affaires de son côté, ça l'arrange bien. Il y a le cocu furibond. Il leur donne des noms. Quand il découvre qu'il est cocu, alors que tout le monde le sait déjà, mais lui, il ne le savait pas encore, il prend toute l'humanité en grippe. Enfin, c'est assez drôle, voilà. Hiérarchie du cocuage. Donc Fourier, il dit que la civilisation dans laquelle on se trouve est très hypocrite parce qu'elle valorise le couple exclusif, mais en réalité, ce couple exclusif, d'après Fourier, n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'après, il a cette idée d'une fidélité qui n'est pas sexuelle, parce que pour lui, le désir, ben, il est changeant. Hein, donc, par contre, l'amour n'est pas changeant, mais le désir peut être changeant. Voilà, ça, c'est la vision de Fourier. Voilà, je propose encore quelques petites idées en reprenant rapidement la présentation que j'ai faite en me disant, tiens, ben, qu'est-ce qui crée souvent des conflits dans les couples? C'est que quand on vit en couple, eh ben, on a tous une attente quant à la relation de couple. Et cette attente n'est pas toujours la même pour les deux partenaires. Alors parfois, ça crée évidemment des conflits et des incompréhensions. Alors dans ces attentes, ben, la première que j'avais pointée, c'est le sexe, le désir sexuel. Hein. Alors là, il y a un philosophe qui parle aussi de ça, du désir sexuel, c'est Schopenhauer. Schopenhauer, lui, il dit qu'on est habité par une pulsion de vie qui dirige le monde, hein, mais une sorte de pulsion aveugle qu'il appelle la volonté. Et tout est emporté par ça, y compris les humains. Et cette pulsion, alors chez les humains, c'est le désir sexuel qui nous pousse à nous reproduire, qui pousse à perpétuer la vie. Mais pour Schopenhauer, ça a quelque chose d'absurde. Pourquoi perpétuer la vie? Ça, on ne le sait pas. Et Schopenhauer, c'est un philosophe un peu pessimiste. Pour lui, la vie, c'est plutôt de la souffrance. Donc, finalement, si on lui avait demandé, tu préfères vivre ou ne pas vivre, lui, Schopenhauer, il aurait dit ne pas vivre. Hein. Donc, c'est pas très joyeux comme philosophie. Mais on est emporté, selon lui, par ce désir. Et c'est quelque chose qui nous détermine malgré nous. Je crois que je tombe amoureuse de quelqu'un. Mais en réalité, je suis poussée par une pulsion vitale et qui me conduit juste à reproduire l'espèce humaine, c'est tout. Donc on est les marionnettes d'une volonté qui nous dépasse et ce désir sexuel extrêmement fort qui va permettre justement à la reproduction de l'espèce, extrêmement puissant, extrêmement obsessionnel, qu'on va qualifier, qu'on va mettre le nom d'amour, mais en réalité, tout ça, pour lui, c'est une illusion. Alors ce désir sexuel, Kierkegaard en parle un peu aussi, ça pourrait être une façon de s'oublier, c'est tellement puissant que quand on est pris par ce genre de désir, eh ben, on ne pense plus à la condition humaine, quoi. Alors ensuite, il y a le désir, l'attente de possession, de posséder l'autre. Alors c'est moins sexuel, mais il y a l'idée, ça reprendrait un petit peu le mythe de l'androgyne, enfin le mythe dont parle Aristophane dans Le Banquet. Je veux posséder l'autre parce que j'ai l'impression qu'avec lui, je fais enfin un tout. Hein? Il pallie finalement à mes manques, à mes difficultés. Et ça y est, quand je suis avec l'âme sœur, eh bien, plus rien ne me manque.
Donc la difficulté, le problème que ça va poser, c'est que je peux plus m'en passer du coup. Si l'autre s'en va, si l'autre me fuit, alors c'est la catastrophe. Et là, ça conduit à toutes les dérives qu'on trouve dans beaucoup de films. Hein. Je pense à un film qui s'appelle Elle de Louise Buñuel, qui nous rend très jaloux parce qu'évidemment, dès que l'autre s'en va, eh ben, je suis plus moi-même. Donc ça peut aller jusqu'à des délires de jalousie où on veut posséder l'autre. Alors ensuite, j'avais repéré donc peut-être une attente qu'on peut avoir dans le couple. Alors je pense le désir, la possession, ma foi, peut-être on arrive à se les formuler assez clairement. Maintenant, la domination, je ne suis pas sûre qu'on se dise quand on épouse quelqu'un, je veux le dominer. Parce qu'évidemment, ce n'est pas très glorieux comme façon de voir le couple. Mais peut-être en avez-vous observé. Moi, j'ai déjà observé un certain nombre de couples où il y a un dominant, un dominé. Si vous avez repéré ça aussi, c'est-à-dire il y en a un qui est vraiment le maître et l'autre qui obéit. Alors c'est tantôt l'homme, tantôt la femme, mais il y en a un qui court partout pour satisfaire les désirs de celui qui domine. Alors parfois peut-être d'ailleurs ça peut se renverser comme dans la dialectique du maître et de l'esclave, parce que celui qui est dominé, eh ben, il va faire des tas de choses et du coup parfois en faisant tout ce qu'on lui demande de faire, il finit par détenir un certain savoir-faire et peut-être une confiance en lui qui peut-être lui permettre de retourner la relation. Donc voilà pour la domination. Ensuite, moi j'ai remarqué aussi des couples où les membres du couple cherchent juste qu'on leur foute la paix, quoi. Donc là, leur compagnon, bah, leur permet de combler un petit peu leur solitude parce qu'ils ne veulent pas être seuls, mais en même temps, ils veulent être tranquilles, quoi. Peut-être des couples comme ça, on se retrouve, mais on ne va pas trop s'occuper de ce que fait l'autre. Voilà, on cherche la tranquillité. La belle image aussi. Hein, je suis en train de lire le dernier livre de François Bégodeau qui s'appelle L'Enlèvement, qui est très ironique, que je trouve très drôle, où il se moque des couples un peu à la mode, où on fait du sport, on a tous une petite application pour savoir combien de pas on a fait dans la journée, on mange bio, on apprend à nos enfants la communication non violente. Il est un peu ironique, Bégodeau. Hein. Il faut montrer une image, l'image du couple idéal. Alors, on ne se fâche jamais, on va être capable de dire à l'autre, voilà, quand tu dis ça, moi, je l'interprète comme ça, mais voilà mon ressenti. Voilà, les couples qui fonctionnent en communication non violente et puis qui sont très, très beaux, quoi. Et ils Comme montrent la une belle maman image, calme. on voit leurs photos sur Facebook, pardon. Ouais, c'est comme la maman calme de Florence Foresti, mais version éducation. Oui, peut-être. Voilà, la maman parfaite, la maman calme. Donc, la belle image. Alors, ensuite, il y a le couple passionnel. Donc, celui-là qui veut se griser, ce couple romantique hein, dont je parlais tout à l'heure, se griser de sentiments. Alors, lui, le quotidien, il a horreur de ça. Il faut vraiment vivre des choses très fortes. Et parfois, bah, ça peut tourner au déchirement. Hein, c'est ce que dit Kierkegaard. Quand on attend ça, bah, comme on ne peut pas le prolonger, ça finit mal. C'est peut-être un petit peu le couple, par exemple, dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Pour ceux qui l'ont lu, c'est un énorme roman, comme ça, une histoire d'amour fusionnelle qui tourne très mal. Hein. Et puis, alors, encore le couple qui recherche la sécurité. Alors là, c'est l'opposé du couple passionnel. Le couple qui recherche la sécurité, ça peut faire penser à ce que dit Aristote de l'amitié qui s'appuie sur le besoin, c'est-à-dire on se rend des services. Cette personne-là, bah, elle me va très bien parce qu'elle sait bricoler et moi je sais faire la cuisine, quoi. Donc on se rend des services mutuels. Alors ça peut être relativement solide quand on est d'accord sur ce principe. Et puis les dernières attentes auxquelles j'ai pensé, c'est aussi le désir, le plaisir de séduire l'autre. Hein. On sent qu'on va capter sa liberté, on lui plaît et on va jouer avec le désir qu'on suscite chez lui. Il y a des analyses de Sartre là-dessus dans L'être et le néant, c'est-à-dire on voudrait que l'autre aliène sa liberté, mais qu'il le fasse librement. C'est-à-dire, on ne va pas le dominer parce qu'on ne va pas l'obliger à nous aimer. C'est pas marrant, ça. Par contre, il faudrait qu'il se soumette à nous sans qu'on lui demande. Donc, il va aliéner sa liberté.
Il y a une sorte de jeu des couples comme ça qu'on peut voir. Et là aussi, il y a toute une littérature là-dessus. Par exemple, les liaisons dangereuses. Hein, on va s'amuser du désir qu'on crée chez l'autre jusqu'à la folie, quoi. On peut jouer de ça. Bref, enfin voilà, après cette petite présentation, je vais m'arrêter là et maintenant on va passer au mode plus actif de la salle de sport. Et moi, c'est-à-dire que moi je vais vous questionner maintenant et on va essayer de construire ensemble une réflexion à partir donc de la question proposée. Pourquoi la relation de couple est-elle souvent conflictuelle? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais participé à un atelier de pratique philo? Oui, Delphine, okay. Delphine, Jennifer, non, Ange, j'ai déjà participé, ok. Alors là, ça serait bien de mettre votre caméra maintenant. Alors, il y a Antoine qui est caché là, Antoine. On ne voit pas ? Et non, on ne voit pas. La masse, alors ? Ben non. Ah, mais c'est... Il y a Antoine Chéniaud, puis alors il y a un autre Antoine. Oui, parce qu'en fait, je n'ai pas le son sur mon ordinateur. Ah, ok. Donc, j'ai mis mon téléphone D'accord. et mon ordinateur, comme ça, je vous vois tous. Okay, mais, ouais. Et voilà. Puis alors, il y a André, qu'on ne voit pas non plus, qui est caché. André. Alors, André, vous pouvez activer votre caméra. Il doit y avoir une icône pour l'activer. Bon, André, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas non plus. Donc, on est parti. La question, pourquoi la relation de couple est-elle souvent conflictuelle? Alors, on va voir déjà cette première question, si vous avez qui a une hypothèse. Alors, je vous laisse le temps. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais participé, vous allez voir, je pense que vous allez deviner assez rapidement. Il y a des sortes de règles pour penser ensemble. Je pense que vous allez les deviner. Si vraiment vous êtes perdu, vous faites un signe de la main et puis je vous explique les règles. Ça marche? Ou est-ce que vous avez une objection? Non? Ok. Alors, qui n'a pas entendu la question, en fait? Levez la main les personnes qui n'ont pas entendu la question. Laurence, du coup, je commencerai bien. Je suis Delphine. Ouais. Alors, tu veux donner ton idée, c'est ça, Delphine? Mon idée. Ouais. Quand alors, attends, Delphine, parce que tu vas voir, il y a une règle du jeu qui consiste à aller lentement. Parce okay. que plus on va lentement, plus il y a des gens qui réfléchissent, qui trouvent des idées. Tu es d'accord? Ouais. On va voir. Qui a besoin de temps encore pour chercher son hypothèse? Ça marche. Attends. Bon, alors, personne ne se manifeste. Alors, j'en déduis. Il y a deux possibilités, Delphine. Soit tu as pris la parole, les autres participants se sont dit chouette, elle a une idée, je ne vais pas en chercher une. Soit bah, tout le monde a déjà une idée et voilà, on va t'écouter. Bon, allez, bah, on t'écoute. Alors, vas-y, Delphine. Non, bah, on va se laisser une ou deux minutes de plus. Hein, ça me va bien. Comme ça, je creuse un peu plus la mienne. Ouais, bon, alors tu creuses un peu plus la tienne. Donc, on prend encore un peu le temps de la réflexion. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la moindre hypothèse sur cette question? Levez la main, les personnes qui n'ont pas d'hypothèse. Bon, donc tout le monde a une hypothèse, donc c'est parti. On va écouter celle de Delphine. Quelle est ton hypothèse?
Une hypothèse, c'est que par rapport au conflit, ce qui peut en générer, ça pourrait être l'opposition entre liberté individuelle et envie de partage avec l'autre. Donc, ce qui pourrait créer un conflit dans le couple, ce serait cette difficulté de l'équilibre dans la durée entre ce qui me nourrit individuellement et cet objectif de, même si ce n'est pas de la fusion, de partage avec l'autre. D'accord. Alors, on va voir déjà si les autres t'ont comprise. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce que dit Delphine ? Bon. Ah, il y a Valérie qui n'a pas compris. Vous allez voir, les personnes qui n'ont jamais participé, on va très lentement, mais sûrement. Et donc, on va demander à quelqu'un, pour Valérie, de répéter en quelques mots ce qu'il a compris de ce qu'a dit Delphine. Qui peut faire ça ? Ah bah, moi, je veux bien. Alors, qui a dit « moi, je veux bien » ? Alors, Antoine. Oui. Alors, si vous pouvez lever la main, c'est plus pratique. Ah. Oui. OK. Bon, alors, vas-y, Antoine. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'était le conflit entre… Enfin, le conflit entre la volonté d'avoir une liberté individuelle et la volonté de partager dans son couple. Est-ce que D'accord. C'est bien ça ? Donc, c'est ça, Delphine ? En gros, oui. Donc, ben, on va voir. Hein. Ceux qui sont d'accord avec Delphine, en quoi la liberté individuelle peut-elle s'opposer au désir de partage ? Qu'est-ce qui fait que ça s'oppose, si vous êtes d'accord avec Delphine ? Ou éventuellement, vous pouvez aussi chercher un exemple qui pourrait illustrer ça. Oui, alors, votre prénom, c'est Axel. Oui, Axel. Ah, vous m'entendez, là ? Oui, ça okay. Marche, oui. Bah, ça peut être, par exemple, qu'une personne du couple a une passion comme la musique, par exemple, que son conjoint ou sa conjointe ne partage pas, et cette personne aimerait justement tout partager avec son conjoint, mais elle ne le peut pas. Et du coup, il y a conflit entre la liberté individuelle et le désir de partage. Oui, ok, ça marche, l'exemple d'Axel. Hein, l'un qui veut jouer de la musique, l'autre n'est pas musicien, et du coup, ça crée une tension entre... Alors, ça crée une tension, Axel, dans votre exemple, parce que le musicien veut partager sa passion ou parce que sa passion prend trop de temps et on ne peut plus partager d'autres choses ? Non, parce qu'il veut partager sa passion, parce qu'il veut tout partager, en fait, avec son conjoint. D'accord. Donc, il pourrait y avoir conflit quand on veut partager avec l'autre ce qui nous épanouit individuellement. Alors, est-ce que c'était ça, comme ça que tu voyais les choses, Delphine ? Il y a conflit parce que je veux partager une passion, puis l'autre, ça ne l'intéresse pas, quoi. La musique, ce n'est pas son truc. C'était presque l'inverse, mais ça marche aussi. Ça marche ouais. Aussi. Mais ça marche dans le sens de Axel. Et toi, c'était dans quel sens ? Moi, c'était plutôt j'ai envie de faire des trucs toute seule ou j'ai envie de garder... la personne peut avoir envie de garder du temps, des relations ou des choses à soi. Et dans cette envie de partage à l'autre, ça nécessite au moins de la communication. C'était plus l'inverse. D'accord. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est le problème, liberté individuelle et partage, mais il y a deux cas de figure qui pourraient être source de conflit. C'est ça ? C'est ça. Ouais. Qui ne comprend pas ces deux sources de conflits possibles entre liberté individuelle et désir de partage. Ok. Ne serait pas d'accord avec une de ces deux sources de conflits ? Bon, alors apparemment, si personne ne se manifeste, j'en déduis que vous pensez tous qu'en effet, ces deux situations peuvent être sources de conflits. Hein, soit que je veuille partager avec l'autre ma passion et lui, ça ne l'intéresse pas, soit que je veuille pouvoir vivre ma passion de façon personnelle et que l'autre me laisse le terrain pour la vivre tranquillement. Quoi. Et donc là, il peut y avoir un conflit parce que ça va être peut-être trop chronophage. Peut-être le musicien, ça lui prend un temps fou, puis il veut jamais aller au resto. Quoi. Donc là, ça peut être source de conflit. Qui a déjà vécu ça dans son couple, au fait ? Enfin, pour ceux qui sont en couple,
qui a déjà vécu la situation telle que l'a décrit Axel, c'est-à-dire je voudrais partager ma passion et l'autre, il n'en a rien à faire. Qui a déjà vécu comme ça, ce problème? Ok. Bah, c'est pas... Si, il y a 4 personnes qui ont déjà vécu, 5 personnes. Ok. Et qui a vécu à l'inverse? Écoute, je veux vivre ma passion tranquillement. Au risque que ça me prenne trop de temps et que je ne sois plus avec toi, qui a vécu ce problème-là. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes. Si, bah, Corinne, toi, tu as déjà vécu les deux, alors. Ça, à la fois, tu veux partager, puis à la fois, tu veux du temps. C'est ça. Alors, mais est-ce que ça peut être... Comment tu peux avoir ces deux problèmes? Parce que alors, ça semble contradictoire. Pas en même temps, d'accord, et pas le même à chaque fois. D'accord. Partager avec l'autre et l'autre veut pas. Oui, une passion, ça c'est une chose que j'ai vécue, et l'autre veut être libre de faire ce qu'il veut sans m'associer, et donc suis victime du coup de ne pas être associée à la passion de l'autre. Voilà. Donc j'ai été une fois dans un camp. Enfin, je suis régulièrement une fois dans un camp et une fois dans l'autre. Et une fois dans l'autre. Donc ça pose la question peut-être qu'est-ce qu'on partage dans le couple, quoi. Qu'est-ce qu'il faut partager Sur l'hypothèse que ça va. Oui, si on pose une question comme ça, qu'est-ce qu'il faut partager? Qu'est-ce qu'il faut accepter de ne pas partager? Ça va si on pose la question comme ça? Ou quelqu'un a-t-il une meilleure question par rapport à ce problème du partage? C'est assez fréquent dans le couple. Qui n'a jamais vécu ce problème du partage dans son couple? Donc ça concerne un peu tout le monde. Ah ben non, pas toi, Antoine, tu ne connais pas ce problème-là. Non, je n'ai pas la sensation d'avoir connu ce problème-là. D'accord. Ou l'un veut vivre une passion. J'ai connu d'autres problèmes. D'accord. Bon, ben on verra d'autres problèmes après. On va déjà voir celui-là, celui du partage. Donc, on peut poser la question, qu'est-ce qui mérite d'être partagé dans un couple et à quel moment, non, on ne va pas partager. Est-ce que quelqu'un... Mais moi, je dirais que c'est quelque chose qui se définit entre les deux personnes, en fait. Au même titre qu'un contrat entre deux personnes, je pense que on est je vais parler en jeu pour pas parler pour tout le monde, mais je trouve que je peux être un peu biaisée par par la différence qu'il y a entre amour et relation, et parce que moi j'ai entendu de l'amour. C'est-à-dire, l'amour, c'est féerique, ça doit être magique, ça doit être évident, ça doit être... Et le fait que dans notre culture, ce soit comme ça, moi, je me suis attendue souvent à ce que ça fonctionne en claquant des doigts. Alors qu'en fait, une relation, c'est pas ça. Attends, je t'arrête, Jennifer. Ouais. Tu te souviens de la question à laquelle tu réponds, là? Oui, la question, c'est la question du partage. Et donc, je disais que la question du partage et je disais que c'est quelque chose qui doit être décidé entre les deux parties, pour que ça fonctionne. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser ce que tu proposes à être réglé comme ça par magie. On se met en couple, ça ne va pas se faire spontanément, c'est ça, ce partage. Il y en a un qui adore la musique et un autre qui adore le vélo. Ça ne va pas marcher tout seul. Il va falloir le décider ensemble. C'est ça ton idée? Oui, c'est ça. Je pense que ça. Je pense que quand la relation s'installe, c'est nécessaire de mettre en place un espèce de contrat pour... éviter les frustrations et les insécurités. Parce que si tu dis qu'il faut le faire, c'est qu'on ne le fait pas nécessairement spontanément. Il n'y a pas un moment. Ça se fait tout seul et des fois, ça ne se fait pas très bien d'ailleurs. Oui. C'est ça? Toi, tu peux dire, il faudrait faire une sorte de contrat. Toi, tu fais affaire de la musique à tel moment. Moi, je vais faire... Ok, donc il y aura un contrat qui permettrait de...
Ouais, c'est ça, c'est plus moi pour être heureux, j'ai besoin que dans ma vie il y ait ça. Toi, pour être heureux, tu as besoin que dans ta vie il y ait ça. Bon, bah, comment on fait en fait Comment on pour fait? que l'un n'empiète pas sur l'autre? D'accord. Donc là, on est un peu dans l'idée de Delphine, c'est-à-dire un épanouissement individuel dans une activité qui n'est pas nécessairement partagée. C'est ça? Et Ouais. donc, il faudrait une sorte de contrat. Oui, C'est c'est ça, que ça ce soit bien. l'idée. Oui. Alors, on va voir maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui voient un problème ou qui ne sont pas d'accord avec ce que dit Jennifer? Donc, Jennifer, ça fait partie de la pratique philo, hein. On est toujours très content quand quelqu'un voit un problème dans ce qu'on dit. Ça va, Jennifer? Il y a Sophie, chouette, il y a Sophie qui voit un problème. Vas-y, Sophie, pourquoi tu vois un problème? Parce que je trouve qu'il y a une opposition entre le fait qu'il y ait quelque chose de spontané, l'amour, théoriquement, il n'y a pas de devoir. Enfin, c'est pas. C'est que, dès qu'on dit et on doit faire un contrat, quelque chose comme ça, je trouve que c'est en opposition avec. C'est un petit peu ce que tu disais d'ailleurs, Jennifer, c'est l'idée qu'on se fait que ça doit être naturel. Et en même temps, dès qu'on met un contrat, il y a des obligations, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a, enfin, dans ma tête, ça fait un petit bug, quoi. Voilà. Je ne sais pas si Oui, ça le fait donc il y chez aurait d'autres comme une personnes, mais contradiction ça me fait un petit clic dans ma tête, mais voilà, c'est personnel. Voilà. entre la spontanéité de l'amour Ouais. et on va dire l'artificialité du contrat. C'est Ouais, c'est ça. bizarre. Le contrat, ça me paraît. Qu'il y a un De contrat au mettre un départ, parce que pour moi, contrat. je pense qu'un couple se rencontre autour d'activités communes, justement. Qu'il y a déjà, Oui. il y a quelque chose qui s'est imbriqué autour de quelque chose. Et après, il peut y avoir des déceptions, s'apercevoir. On imaginait que l'autre aimait la danse, par exemple. Et en fait, il n'aime pas ça. On s'aperçoit au bout de 2 ans qu'en fait, ça le gave, quoi, par exemple. Mais au départ, il y avait quelque chose de, tiens, ça correspond à ce que j'imagine. De On voit l'autre. apparaître une nouvelle idée, c'est que sur cette question de qu'est-ce qu'on partage, etc., là, ce que tu proposes, c'est qu'un couple, en fait, il se forme à partir d'une activité commune, d'un partage de quelque chose. C'est ça? Oui, c'est ça. Qui est, Alors, enfin. on va déjà voir ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'un couple va se construire sur le partage de quelque chose ou... Vous pensez que c'est pas ça qui fait le ciment de départ du couple? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est... Alors, il y a Antoine qui a une idée, puis je vois aussi... Alors, du coup, ton prénom, à côté de Delphine, ton prénom, c'est comment? C'est Thibault. Thibault. Alors, tu as une idée là-dessus sur le... Ce qui va cimenter au départ le couple, est-ce que c'est, comme le propose Sophie, un partage d'une activité commune ou ce serait autre chose? Alors, je pense que il y a effectivement une notion de partage pour cimenter le couple au départ, mais pas forcément d'une activité. C'est-à-dire, ça peut être effectivement dans beaucoup de cas des activités comme des passions sportives, culturelles, artistiques, etc. Mais ça peut également un partage au niveau des valeurs ou des opinions qui permet de rapprocher les deux personnes et d'avoir ces choses-là en commun. D'accord. Donc, qu'est-ce qui cimente le couple au départ? Ça peut être des activités, mais aussi un échange sur des valeurs communes. C'est ça? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec ce que propose Thibault? Bon, alors, est-ce qu'il y a des personnes pas d'accord, hein? Donc, pour l'instant, on en est dans l'idée que qu'est-ce qui cimente un couple, c'est soit des activités communes qui peuvent être culturelles, sportives, soit des valeurs communes sur lesquelles on échange et qui vont nous cimenter le début de la relation. Hein? Ensuite, il y aura peut-être des déceptions, mais en tout cas, ça va être le ciment du début de la relation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Ben, on va déjà voir si quelqu'un n'est pas d'accord. Non, bon, bah, apparemment, il semble qu'il y ait un certain consensus. On pourrait peut-être questionner d'ailleurs, est-ce que c'est plutôt les activités qu'on mène, comme ça, le sport, etc., ou c'est plutôt les valeurs qui nous cimentent? Est-ce que ça penche plus d'un côté que de l'autre?
ou c'est équivalent? Moi, j'ajouterais... Alors, avant d'ajouter, on va déjà voir si il y a des personnes qui pensent que c'est plutôt les valeurs ou c'est plutôt les activités communes. Est-ce que ça penche d'un côté? Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que ça penche d'un côté? Oui, Ange? Ben, moi, je dirais par rapport à ce qui s'y montre plutôt le couple, moi, c'était plutôt les valeurs. Moi, je dirais plutôt... Il marche super mal, ton micro, Ange. Ah, mais sinon, Ange, tu peux venir, parce qu'on est dans le même appartement, c'est mon coloc, Ange. Tu peux venir là, sinon. Ah, c'est micro marche. Vous n'entendez pas bien. Ah, si, là, on entend. Ah, là, c'est mieux, ouais. Ça marche, là. Ouais, vas-y. Moi, c'est plutôt... moi, c'est plutôt les valeurs. Ça commence plutôt par les valeurs. Tu penses que c'est plutôt les valeurs que les activités communes? Les valeurs comme les valeurs humaines, la bonté, l'humilité, la bienveillance. C'est généralement comme ça que ça. Ça va, vous l'entendez, Ange, ou pas? Parce que moi, je l'entends. Oui, on a compris. Ça va? Ok. Bon, alors je répète ce que tu as dit. Tu dis que c'est d'abord les valeurs qui vont être le socle du couple plus que les activités. Ce serait d'abord les valeurs, comme tu t'as dit, la bienveillance. Je n'ai pas entendu les autres valeurs. Et est-ce que tu peux dire pourquoi c'est plus les valeurs que les activités communes? Tu aurais un argument pour appuyer ton idée? Eh ben, viens ici alors. Qui est d'accord avec Ange que c'est plutôt les valeurs que les activités communes? Ok. Pour moi, attends, on va voir déjà qui est d'accord avec Ange que c'est plutôt les valeurs. Et est-ce que, si vous êtes d'accord avec Ange, qu'il y aurait un argument pour montrer pourquoi ce serait plutôt les valeurs? Tiens, du coup, tu n'as qu'à éteindre ton ordi. Non, je vais laisser comme ça. Pourquoi ça serait plutôt les valeurs? Est-ce que quelqu'un a un argument? Oui, vas-y, ouais. Stéphane. J'aurais tendance à penser que les valeurs sont plus ancrées en l'homme... sont plus importantes pour nous que des activités. Et je pensais à l'exemple du coup d'une séparation qui, pour moi, serait plus facilement sur un conflit de valeurs que juste parce que je n'aime pas l'activité de mon conjoint. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des valeurs qui s'opposent énormément, quoi. D'accord. Et donc, ce qui pourrait être source de conflit serait le conflit des valeurs, hein, parce qu'on voit un nouveau conflit apparaître. C'est pas seulement liberté individuelle et partage, mais ce serait conflit de valeurs qui peut créer. Et donc, ça serait d'abord les valeurs, le ciment de départ du couple. Et Jean-Jacques, c'était le même argument ou c'était un autre argument? C'était l'idée que si on n'a pas les mêmes valeurs, on va avoir du mal à vivre ensemble, quoi. Tandis que le fait de ne pas avoir la même activité, c'est moins un problème, à mon avis. Oui, ça rejoint un peu l'argument de Stéphane. Si on n'a pas les mêmes valeurs, on ne va pas y arriver. Par contre, si on n'a pas les mêmes activités, c'est possible. D'accord, donc ça serait ces valeurs qui seraient le ciment du couple. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça? Il y a Sophie. Voilà. Attendez, levez la main les personnes qui ne sont pas d'accord avec cette idée. Sophie, Philippe, et alors je ne vois pas si tu lèves la main, Clévis, c'est ça? Oui, t'es pas d'accord avec ça, Clévis? Ah, pardon, c'est moi. J'ai écrit Clévis, mais je ne sais pas. Ah, non, ça me parle du coup, apparemment. Je pensais que c'était mon compte. Ah, ok. Et ton prénom, c'est comment alors? Coralise. Coralie? Coralise. Coralie. Ok, ouais, vas-y. Peut-être que je me trompe, mais je vois pas trop. Pour moi, c'est un lien, dans tous les cas, les activités et les valeurs.
parce que quand on fait une activité, ça rejoint des valeurs. Donc, du coup, pour moi, c'est en lien. Il y a pas de... ça, on ne peut pas faire de séparation, je pense, entre activité et valeur, parce que quand on fait une activité, c'est parce que cette activité rejoint des valeurs que l'on a. Après, ça peut être... peut-être qu'après, on peut en voir différentes valeurs sur la même activité, mais en général, ça rejoint quand même des valeurs que l'on a, je pense. Une activité. Okay. Oui. Donc, les activités qu'on a seraient l'illustration de nos valeurs. Enfin, la marque fonctionnerait avec nos valeurs. Donc, par exemple, s'il y en a un qui adore faire du quad et de la chasse et l'autre aller chercher des champignons et qu'il est écolo, ça peut créer à la fois un conflit d'activité et de valeur. Aussi, oui. Ah ben. Oui. Donc, micro, là, juste maintenant. Oui, après, ça rejoint des valeurs différentes, oui, je pense. Oui. C'est différentes, mais après, est-ce qu'on peut se rejoindre avec différentes valeurs? Oui, après, alors est-ce que je peux, alors que je suis écolo, est-ce que je peux vivre en couple avec quelqu'un qui fait du quad et qui est chasseur? Ou est-ce que c'est possible ou pas? Je pense que si on essaie finalement de comprendre les valeurs de l'autre, et même si elle ne nous appartient pas, on peut vivre aussi avec, parce que peut-être que la personne aura d'autres valeurs, parce que je pense qu'on n'a pas qu'une seule valeur, on a plusieurs valeurs, plusieurs idées, enfin, plusieurs. Alors, on va voir, parce qu'on a vu dans les conflits pour l'instant cette question de partage, on n'arrive pas très bien pour l'instant à voir. On n'arrive pas. Parce qu'on s'est demandé si qu'est-ce qu'on peut partager ou pas avec l'autre. Je suis perdue là dans notre questionnement. Qui pourrait m'aider à faire une petite synthèse? Qui peut faire une synthèse du questionnement, d'où on en est? Et c'est parce que là on va partir dans tous les sens, il faut qu'on arrive à refaire une synthèse. Est-ce que quelqu'un peut faire ça ou vas-y Philippe? Ouais, je vais essayer. Donc on est parti de l'hypothèse selon laquelle donc le couple est souvent en conflit parce que il serait confronté à un conflit entre la liberté individuelle et le partage avec l'autre. Et donc on a éprouvé, enfin on a vu que ça pouvait être dans les deux sens, c'est-à-dire le fait que je mets en avant ma liberté ou plutôt l'idée de partager. Et ensuite on s'est posé la question de quand le couple se forme à partir de choses communes, quelles pouvaient être ces choses communes et ce qui était le plus important, les activités ou les valeurs. Voilà, c'est ça. Voilà, on en est là et on est en train de montrer que ce serait plutôt les valeurs, mais en même temps que les activités incarnent nos valeurs. C'est ça? Oui. Bah, ouais, il y a une hésitation. J'ai l'impression qu'il y a une hésitation parce qu'on a toujours, on a forcément des contre-exemples, j'imagine. Oui, les activités qu'on mène incarnent les valeurs de chacun. Quelqu'un qui fait du... Est-ce que ça marche, on dit ça? Je ne fais pas des activités qui vont contre mes valeurs, ce serait bizarre. Non. Non, mais par contre, le conjoint n'est pas forcément... en adéquation avec les valeurs qui portent les activités de l'autre. Oui, oui. Donc là, ça peut créer un problème. C'est-à-dire que moi, mes activités sont liées à mes valeurs. Si j'aime la musique, c'est que, par exemple, parmi les valeurs qui comptent pour moi, c'est l'esthétique. Okay, oui. Si j'aime la chasse, ce n'est pas les mêmes valeurs. Donc, mes activités incarnent mes valeurs. Et alors,
on voit que ça peut poser problème après. Alors, comment je vais faire pour m'entendre avec quelqu'un qui semble avoir des valeurs qui ne sont pas les miennes? Est-ce qu'il est possible de cimenter un couple si on a des valeurs différentes? Ou bien vous pensez que ce n'est pas possible? Mettons, est-ce que, si je reprends mon exemple, est-ce qu'un chasseur peut vivre en couple avec, je prends au masculin, ou une chasseuse peut vivre en couple avec quelqu'un qui est plutôt écolo? Est-ce que c'est possible ou ça vous semble impossible, Delphine? Pour répondre à la question que tu poses, je me dis que c'est intéressant d'amener la logique de durée, parce que tu as posé au départ l'idée que l'amour égale couple dans la durée, et donc oui. Là on a deux individus qui évoluent, donc en fait même s'il y en a un qui a telle valeur à un moment donné et l'autre une autre valeur, j'ai l'impression que c'est des individus en évolution et qui s'auto challenge, qui se font évoluer l'un l'autre. Donc, en fait, oui. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça rajoute un critère qui est que, que c'est en perpétuelle évolution. Mmh. Donc, on voit arriver une nouvelle donnée du problème. On va se rencontrer et les valeurs qu'on a peuvent évoluer au contact de l'autre, justement. C'est ça? Alors, ces valeurs peuvent évoluer ou bien elles peuvent aussi se confronter et finalement, il y a conflit. On est bon là-dessus? Alors, ouais, non. Est-ce que quelqu'un... Oui, parce qu'on est en train de... J'ai quelque chose à proposer, mais je ne sais pas si... Alors, vas-y, parce qu'on essaie de construire de façon à approfondir le plus possible notre réflexion. Alors, sans partir dans tous les sens. Juste une proposition. D'abord, je pense qu'il y a des activités qui impliquent peut-être moins de valeurs que d'autres. Autant la chasse est quelque chose qui peut être très... qui implique beaucoup de valeurs... Enfin bon, la clarinette ou le tennis, je pense qu'il y a aussi le temps consacré à la passion pour le tennis, la chasse, qui pourrait prendre sur la relation de couple. C'est-à-dire que si on est modérément chasseur ou modérément tennisman, ça ne pose pas forcément de problème de valeur. Par contre, si on passe tout son temps à faire de la chasse plutôt que de passer un peu de temps avec son conjoint, ça peut... engendrer un conflit. C'est-à-dire que s'il a une autre passion qui n'est pas forcément contre laquelle le conjoint n'est pas contre la clarinette, mais si la personne joue tout le temps de la clarinette et passe son temps à faire de la clarinette, l'autre peut en avoir assez de se laisser... Donc, il y a conflit. Alors, entre... C'est là qu'on retombe dans ce que disait tout à l'heure Jennifer. C'est ce que proposait d'ailleurs Delphine au départ, c'est comment j'harmonise mes propres occupations avec le partage dans le couple. Et donc, voilà. C'est là que Jennifer disait, eh bien, il faut établir un contrat. Et que Sophie disait, bah, c'est quand même problématique parce que si on commence à établir des contrats dans le couple, ça semble pas très, c'est un peu un tue-l'amour, quoi. Hein. Donc on revient un peu à cette discussion de tout à l'heure qu'on n'a pas d'ailleurs résolue. Est-ce que pour éviter ces problèmes de couple, du partage de nos passions, il faut établir un contrat ou ça va se faire tout naturellement? Parce qu'il y a eu aussi cette problématique qu'on a abordée. On peut reprendre, tu es en train de revenir un peu à ça. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Jacques? Alors peut-être que le mot de contrat est un peu fort, hein, parce que le contrat, c'est assez formel, mais ce que je dirais, c'est qu'il peut être important d'en discuter et de se mettre d'accord, sans forcément que ça soit un contrat, c'est pas quelque chose gravé dans le marbre, quoi. C'est pas un contrat forcément écrit, mais en tout cas... Je dirais plutôt une discussion et un partage sur ses choix. Ouais. D'accord, on prend le temps de discuter de comment on va partager ces moments-là, ce que tu fais toi par rapport à la pratique philo, par exemple.
Attends, je reviens à ta question. Parce que toi, tu fais beaucoup d'ateliers philo, Jean-Jacques. Oui, oui. Et voilà, donc tu as établi un contrat avec ta compagne, ta femme ? Non. Mais je l'ai rencontré bien avant de faire des ateliers philo, tu sais. Ouais, mais ta femme, elle est d'accord si tu fais des ateliers philo ? Ah, que je fasse des ateliers philo, d'accord. Ouais. Oui, d'accord, oui. Ouais. Ouais, et est-ce que tu en as discuté avec elle, du coup ? Non. Okay, non, j'en ai pas discuté avant de faire des ateliers de philo, de savoir. Donc, tu n'es pas sûr. Voilà. Donc, tu n'as pas établi cette espèce de discussion dont tu parles, tu l'as pas fait. C'est vrai. Oui, mais il n'y a peut-être pas de conflit. Hein. Il n'y a peut-être pas de conflit. Est-ce qu'il y a un conflit alors? Il peut y avoir un conflit. Et ça peut devenir un conflit. Ouais. Attention. Oui, mais il peut ne pas y en avoir non plus. Là, mais laissez-le. Oula, là, ça crée une sorte de débordement. Oula là. Il y a une sorte d'émotion là, qui s'empare de nous face à la participation de Jean-Jacques. Non, très investi dans les ateliers philo. Ça n'a pas créé de conflit, mais peut-être effectivement, il faudrait que je lui demande si elle pense que je fais trop d'ateliers philo. Peut-être, parce que quand même, tu participes à chaque fois qu'on fait un atelier philo, tu es là. Ouais. Donc, peut-être. Alors, est-ce qu'il peut y avoir... alors, le cas de Jean-Jacques, qui connaît des situations un peu comparables, c'est-à-dire vous engagez dans un truc à fond quand même, et bon, bah, vous avez l'impression que ça ne crée pas de conflit avec le conjoint. Oui, donc Corinne, elle connaît ça. Et toi, Delphine, alors tu connais ça ou pas? Tu t'engages dans un truc et tu ne sais pas trop si ton conjoint il en pense ou pas. C'est ça, Delphine? En plus, il est là. Concret, je ne sais pas si c'est utile, un exemple, mais je pense à un 31 où moi, j'ai envie de danser. Et par exemple, mon compagnon n'a pas envie. Et du coup, moi, j'y vais quand même parce que c'est ma joie et il y a un cadre qui est très limité. Je me dis, il faut que j'en profite. Et ça nécessite une sorte de sacrifice un peu de la part de l'autre. Oui. D'accord. Le sacrifice, c'est trop fort. Oui. Alors, est-ce qu'on est toujours conscient? C'est une question qu'on pourrait se poser. Quand je m'engage dans un truc qui me passionne, est-ce que je suis conscient de ce que ça crée chez l'autre ou pas? C'est une question intéressante à se poser, non? Peut-être qu'il s'en fout complètement, peut-être ça l'embête, peut-être qu'il prend sur lui, il se sacrifie parce qu'il voit bien que ça me plaît. Ouais. Alors, Ange, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux ajouter... Ah, mais ton micro, il ne marche toujours pas. Hein, il faut que tu le branches. Là, il est... Voilà, vas-y. Je n'ai pas compris ta question. Tu peux la reprendre. Alors, la question, c'est quand je m'engage dans une activité qui me passionne, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon conjoint? Parce que si elle me passionne, ça se trouve, je ne vais même pas faire attention à ce qui se passe chez lui. Alors, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon conjoint si je m'engage dans un truc qui me passionne? Tiens, on va voir, c'est chacun de vous, si vous avez des idées, là, qu'est-ce que vous faites? Tout d'un coup, vous avez la révélation. Alors, pour Jean-Jacques, c'est la pratique philo, la musique, la danse, etc. Un truc qui vous capte complètement. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à votre conjoint si ça vous arrive? Donc, on va laisser un petit temps de réflexion comme au début. Puis ensuite, on écoutera diverses hypothèses. Qui n'a pas une petite idée sur la question. Donc, si personne ne se manifeste, j'en déduis que tout le monde a une petite idée sur la question. Eh bien, on va vous écouter. Alors, qui a une proposition? Qu'est-ce que vous faites? Il y a quelque chose qui vous passionne et qui vous capte complètement. Qu'est-ce que vous faites avec votre conjoint? Ange, tu lèves la main?
Moi, je très bien. Ton micro marche super mal, on ne comprend pas ce que tu dis. Hein. Mais là, tu entends ? Là, quand tu t'approches, ouais, de ton micro. Bah, attends, j'arrive. C'est plus simple. Ah, vas-y, propose ton idée. Qu'est-ce que tu fais alors ? Couple. Moi, je dirais prévenir mon conjoint. Vas-y. Prévenir mon conjoint, expliquer pourquoi je fais ça. Et mettre une solution, proposer une solution pour que ça évite d'engendrer des problèmes, justement. D'accord, donc tu vas lui en parler. Voilà, on va s'écouter, d'accord. Mais vraiment s'écouter. D'accord, donc tu parles de ton truc, à ça, qui te passionne. Et, mais tu en parles pour qu'il te laisse le faire ou pour que la personne, elle s'intéresse aussi à ça ? Ben, pour qu'elle comprenne, qu'elle me laisse aussi le faire et puis si elle veut, qu'elle le fasse avec moi. Ok. Ça marche. Alors, ça va, l'idée de Ange, j'en parle à l'autre. Cette passion, tu peux la faire avec moi ou sinon, ben voilà, donne-moi la liberté de le faire. Bon. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui avait à peu près la même idée que Ange ? Oui. Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose de différent ? Alors Thibaut. Alors moi, enfin parfois c'est peut-être et que j'ai vécu ça, quelque chose que l'on ne fait pas en fait, ou quand on a une nouvelle passion, moi j'ai eu l'impression par exemple parfois par le passé de m'aveugler un petit peu et de voir uniquement ce qui m'arrangeait dans le comportement de l'autre et qui et en gros, valider ce que je voulais entendre comme quoi ça lui convenait et de m'aveugler un peu sur tous les autres signes qui montraient que ça ne lui convenait pas. Quoi. Donc du coup, vous pouvez potentiellement parfois avoir tendance à ne pas m'inquiéter de ce que ça pouvait causer chez l'autre parce que je voyais uniquement ce qui m'arrangeait et qui validait de faire ma passion, de suivre ma passion. Donc, ce que dit Ange, déjà, ça ne se fait pas hyper naturellement. Il faut être vigilant pour le faire, parce que sinon, on se laisse emporter par notre truc, on dit « Oh, ça ne doit pas le déranger. » Donc, il faudrait se donner une sorte de discipline. « Waouh, il y a un truc qui me passionne, il faut que je lui en parle. » Ok. Et alors, il faut que je lui en parle. Est-ce que je lui en parle pour qu'il partage ou qu'elle partage avec moi cette passion ? Où je lui en parle pour qu'il me laisse la faire. Alors, toi, ce que tu proposais, Ange, c'est je lui en parle pour qu'éventuellement il le fasse avec moi, puis s'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Dans un premier temps, je lui en parle pour qu'il m'accompagne dans cette passion. Ou qu'il me laisse aussi la faire. Ou qui est plutôt d'accord ? Dans un premier temps, j'aimerais qu'il m'accompagne dans cette passion. Ce n'est pas accompagné, je n'ai pas dit ça. Non. Alors, qui pense que c'était peut-être une chose à faire ? Je suis passionnée d'opéra. D'un coup, je suis pris par cette passion. Eh ben, j'aimerais bien que mon conjoint il vienne avec moi à l'opéra. Donc, je vais essayer de le convaincre de venir. Qui pense que c'est plutôt une chose à faire ? Mais je n'ai pas dit ça. C'est pas grave si tu n'as pas dit ça. Ah, oui, je propose qu'on voit cette direction-là. Et pourquoi vous diriez que c'est ceux qui pensent que oui, ça peut se faire, c'est, pourquoi ce serait plutôt une chose à faire ? Pour quelle raison ? Bah moi, je pense que c'est un acte généreux, en fait, de faire l'effort, de s'intéresser à la passion de l'autre. Après, ça ne veut pas dire qu'on va le faire autant de fois que la personne elle-même va le faire, mais je pense que de faire l'effort d'y aller au moins une ou deux fois pour découvrir et voir si ça nous plaît, je pense que d'accord, c'est... Mais là, c'est dans l'autre sens. Là, c'est moi, je découvre une passion, mettons l'opéra.
Et est-ce que je vais essayer de convaincre mon conjoint, allez, viens, tu vois, parce que là, tu te places dans la situation du conjoint, et te dire, bah oui, je vais aller voir, mais est-ce que moi, je vais essayer de le convaincre ou non, je lui fiche la paix. Qui pense que je vais essayer de le convaincre et auquel cas, pourquoi ça peut avoir du sens dans mon couple que je cherche à l'entraîner dans ma passion? Pourquoi ça pourrait avoir du sens, Stéphane? Alors, ça peut avoir du sens, hein, parce que du coup, si on partage après une joie commune, ça va créer du lien, ça va renforcer notre lien par le fait de partager une passion, un loisir. Mmh. Donc, ça sera l'occasion de renforcer le lien. Hein. Mmh. OK. Alors, qui est d'accord avec Stéphane, c'est l'occasion, je découvre un truc, c'est l'occasion de renforcer le lien. Ah oui. Ouais. Oui. Ok. Bah oui. Ouais. Oui. Et qui n'est pas d'accord? Bon, qui n'en sait rien, parce que je vois des personnes qui ne se manifestent pas. Alors, je recommence. Qui est d'accord avec Stéphane? Oui, il faut le faire, parce que c'est peut-être l'occasion de renforcer encore le lien. Qui pense plutôt oui, plutôt d'accord avec Stéphane? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Stéphane? Ah. Delphine n'est pas d'accord et Corinne. On va avoir des objections. Pourquoi il vaut mieux éviter d'entraîner l'autre dans sa passion? Parce que là, on voit un joli argument quand même. L'argument de Stéphane, c'est que ça va consolider le couple autour de joie, de passion partagée. Mais pourquoi on pourrait objecter à Stéphane alors? Delphine. J'ai le sentiment que ça peut être carrément mortifère de tout vouloir. Si on emmène l'autre et qu'on veut le convaincre sur plein de trucs, et ben alors je pense à une citation qui dit que deux arbres plantés trop près ne peuvent pas grandir. Ils se font de l'ombre l'un à l'autre. Et je me dis qu'en fait, si on essaie de l'emmener dans tout, je ne sais pas. Mais là, Delphine, qui pense qu'il y a un problème dans l'objection de Delphine? Parce que on travaille un peu la rigueur de l'objection au passage. Qui voit un problème dans la rigueur de son objection? Dora? Non. Delphine parle de tout le temps, alors qu'on disait si j'ai une passion, ouais, alors, pas tout le temps, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouffer aussi, sa vie de partager avec lui une passion. Ouais. C'est pas la même chose. Ok. Donc, je répète ce que tu dis. Dis-moi si je t'ai entendu, parce que ton micro n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que Stéphane dit, bah, on va essayer d'entraîner l'autre dans une passion, mais il n'a pas dit dans toutes. Alors, si toi, Delphine, tu objectes en disant qu'on veut l'entraîner dans toutes les passions, ça ne va pas, l'objection, elle ne fonctionne pas. Hein. Est-ce que, donc on revient à ce que disait Stéphane. Je reprends mon exemple de l'opéra, je découvre c'est super, ou du vin, tiens, de l'œnologie par exemple. Oh, c'est génial l'œnologie, je veux t'entraîner là-dedans, mais je ne veux pas t'entraîner dans toutes mes passions, mais dans celle-là, j'aimerais bien qu'on la partage. Et l'argument de Stéphane, c'est que ça sera peut-être l'occasion de souder le couple. Alors, est-ce qu'il y a une objection à cette idée-là? Apparemment, bon, il n'y a pas d'objection. Donc, ça serait peut-être la bonne occasion. Alors, qui a déjà réussi dans son couple, hein, qui a déjà vécu ça, c'est-à-dire vous avez réussi à entraîner l'autre dans quelque chose comme ça qui vous passionnait, qui a réussi à faire ça? Ok, alors il y a Valérie, Stéphane. Hein, et donc, est-ce que ça a été effectivement l'occasion de souder le couple pour Stéphane et pour Valérie? Oui, enfin, si je vous demande si vous avez réussi, la question, elle est un peu fermée. Ça suppose que oui, ça a marché, quoi. OK. Bon, alors, qui a essayé sans que ça marche? Vous avez voulu entraîner votre conjoint dans une passion, puis ça a foiré. Moi aussi. Je peux dire j'ai aussi l'expérience que ça a foiré. Aussi. OK. D'accord. Et les autres, vous n'avez jamais essayé de partager une passion avec un conjoint? C'est rigolo. Et qui n'a jamais essayé de partager une passion avec un conjoint? Ah, bah alors, donc Jean-Jacques. Hein, donc, toi, tu ne partages pas tes passions avec ta femme. Tu n'as même pas essayé. Parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, en fait.
Ouais. Tu vois, donc okay. Les trucs qui m'intéressent ne l'intéressent pas. Donc, du coup, je ne cherche pas à partager. Quoi. D'accord. Bon, mais alors, est-ce que ça peut être un problème dans le couple si on ne partage pas, en fait? Ou bien, finalement, chacun fait son truc. Oui, ça peut être un problème parce que ça peut être une source de frustration de ne pas pouvoir partager avec l'autre quelque chose qui te intéresse et qui te passionne. Oui, donc ça peut être une source de frustration. J'ai ce désir de partage et l'autre, il n'en a rien à faire. Okay. Il y a du refus permanent, j'imagine que... Ouais. C'est un peu c'est problématique. Si c'est de temps en temps et que dans 60% des cas, ça marche, mais si dans 95% des cas, c'est une note, à chaque fois, on peut se poser des questions. Oui, là, ça veut dire qu'il y a un problème dans le couple, quoi. Alors, remarque, si j'ai partagé un petit peu, finalement. Ah, bon. Oui, oui. Okay, je pense aux jeux de société, de temps en temps, elle joue un peu avec moi, tu vois, okay. Donc il y a un petit partage. D'accord. Donc, notre question, c'est est-ce que je cherche à entraîner l'autre? La réponse est plutôt oui, parce que ça peut être l'occasion de ciment du couple. Et puis, alors, les personnes qui ont essayé et pour lesquelles ça n'a pas marché, bon, est-ce que c'est l'occasion d'un conflit ou bien finalement, c'est pas grave. Vous essayez, ça marche pas. Conflit ou pas conflit? Tu veux dire quelque chose? Alors, je vois pas là qui lève la main. Clivis. Oui, c'est Coralise, c'est ça? Oui. Pour moi, oui, dans tous les cas, c'est un plus de partager des valeurs. Alors là c'est partager des activités, mais du coup des activités, pardon, mais du coup je pense qu'il y a aussi des gens qui ont besoin de sécurité, et du coup peut-être que de partager des activités, enfin des passions avec la personne justement avec qui on essaie de se compléter, peut-être que ça peut faire peur à certains d'avoir une autre influence, du coup de finalement de se bloquer à l'autre pour finalement ne pas être influencé par cette personne, parce que cette personne se protège beaucoup de la personne avec qui on a besoin de se compléter. Alors Clévis, est-ce que tu penses que c'est clair là? On va voir qui a compris. Coralise, qui l'a comprise? C'est pas hyper clair ton truc. Bon, il y a peut-être Nathalie. On a peut-être une chance avec Nathalie. Hein, on va voir. Nathalie, elle va reformuler. Hein. Alors, vas-y, Nathalie, on t'a pas entendu encore. Tu peux reformuler l'idée de Coralise. Ouais, ce que j'ai compris, c'est que le fait d'être entraîné dans la passion de l'autre, ça pouvait être vécu comme un risque de se perdre soi-même. Et du coup il pouvait y avoir des freins à se laisser entraîner dans la passion de l'autre pour protéger son intégrité, sa liberté, son autonomie. D'accord, donc ça nous ferait peut-être une petite objection à ce que disait Stéphane. Finalement, si je veux entraîner l'autre, le risque c'est peut-être d'exercer sur lui une influence qui fait qu'il perd sa personnalité. Ce serait peut-être... Bon, alors, je l'entraîne dans mon truc, parce que je l'entraîne, on voit bien, avantage, on se soude sur une passion commune, et là, on est en train finalement de voir une objection. Inconvénient, je l'entraîne, mais pour me plaire, il finit par se perdre. Et finalement, c'était peut-être pas ça qui était important pour lui. Ça va, notre problème? Ouais. Alors, Nathalie... Ouais. Mais en fait, je trouve qu'il y a la question de qu'est-ce que c'est partager qui se pose, parce que partager une passion, c'est, je trouve que c'est pas forcément la vivre ensemble aussi intensément, etc. Ça peut être tout simplement d'en parler, de sentir l'autre qui est attentif, qui prend plaisir
à nous voir épanouis dans une passion, ou de que ça reflète certaines valeurs communes, ce genre de choses. C'est pas forcément pas forcément voilà le fait de vraiment la vivre ensemble. Hein, ce soir, on pose certaines questions, on ne va pas répondre aux questions, mais peut-être ensuite, on sera capable de se les poser dans nos relations, les relations que chacun d'entre nous peut vivre. Qu'est-ce que ça veut dire partager avec l'autre, quoi. Là, tu es en train de poser la question. Hein, on a fait comme si c'était évident, je l'entraîne dans mon truc, mais on voit bien avec ce qu'a dit Coralie, que le risque, et je pense qu'on connaît tous des couples comme ça, il y en a un qui exerce une activité qui le passionne, et puis il y a l'autre qui court derrière, qui fait la secrétaire. Moi, je connais un metteur en scène comme ça, sa femme, elle s'est presque, elle a abandonné sa personnalité pour un peu pour le soutenir, quoi, ce qui semble un peu problématique, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire partager avec l'autre, est-ce que quelqu'un veut se prononcer? Valérie? Moi, je pense que partager avec l'autre, c'est se laisser contaminer de son émerveillement. C'est pas seulement le suivre comme un petit chien pour lui plaire. C'est voilà, il y a une vraie contamination. Et ça, c'est beau. Il n'est pas question de perdre sa personnalité en étant contaminé. Il est question d'enrichir sa personnalité en étant contaminé d'une nouvelle passion. Donc, il y aurait un partage qui serait constructif parce qu'il enrichit la personnalité de l'autre, c'est ça? Oui, et il y a un partage qui peut être beaucoup plus négatif, c'est-à-dire qu'il annihile au contraire la personnalité. Ce n'est pas un partage dans ce cas-là. Oui, enfin, dans ce cas-là, c'est une soumission. C'est une soumission à l'intérêt de l'autre, à la passion de l'autre, par amour peut-être. Donc, on peut se poser la question, quand on a une activité comme ça qui nous passionne et qu'on veut partager, est-ce que je suis en train de le soumettre et il fait ça pour me plaire, ou bien est-ce qu'il enrichit sa personnalité lui aussi dans cette passion commune? Est-ce que je suis en train de l'émerveiller à quelque chose? Voilà, est-ce que je suis en train de l'émerveiller à quelque chose ou au contraire de le soumettre? Donc, voilà, question que chacun peut se poser. Et inversement, moi, quand je m'embarque dans son truc, est-ce que je me soumets ou est-ce que je m'émerveille aussi de sa passion? Donc voilà, on a évoqué le problème du partage dans le couple. Alors, on a, si je fais une petite synthèse, on a évoqué la question de parler. Comment on va agencer ce partage? Est-ce qu'on en parle ou est-ce que ça se fait spontanément? Il y avait l'idée de Jean-Jacques... on ne va peut-être pas faire un contrat, mais en tout cas, il faut en parler. Il semble que le groupe s'accorde là-dessus, parce que si on n'en parle pas, il y a un moment, ça va peut-être poser problème. Et puis ensuite, il y a la question, est-ce que je cherche à entraîner l'autre dans cette passion? La réponse, me semble-t-il, c'est plutôt oui, mais avec le risque qu'on vient de soulever. Il ne s'agit pas de le soumettre, il s'agit qu'il s'épanouisse. Mais ça ne marche pas à tous les coups dans ce truc, avec ce que proposait Coralis, parce que Coralis, si j'ai bien compris ce que tu disais, c'est que l'autre peut résister en même temps par peur de perdre sa personnalité, justement. Donc, ouais, peut-être qu'on peut encore questionner un petit peu ça, comment je fais pour entraîner l'autre dans ce qui me plaît, parce que ce n'est pas évident. On a vu que certains d'entre vous, ça a foiré, quoi. Ils ont cherché à l'entraîner, puis ça a foiré. Alors, comment je fais? Vas-y, Sophie. Moi, tout à l'heure, tu disais on va chercher à convaincre. Moi, je n'utiliserais pas ça. Je dirais plutôt inviter, proposer, voilà, pour montrer qu'on a envie de partager quelque chose. Mais plus, plutôt qu'obliger de quelqu'un ou vouloir le convaincre, on s'en fout, en fait. Si l'autre n'a pas envie de venir, il ne vient pas. Ouais. Voilà, ce n'est pas un problème. Il faut faire les activités pour soi-même. Et si après l'autre il a envie parce qu'on a envie de partager quelque chose, c'est chouette, mais ça ne doit pas être une obligation. Ouais. Donc je ne vais pas chercher à le convaincre, je vais chercher plutôt à l'inviter, lui proposer. Est-ce que vous avez d'autres suggestions? Comment je fais pour partager cette passion? Oui, Philippe? Et en fait, peut-être. Il s'agit de considérer le couple comme une entité comment dire, qui n'est pas réductible à chacun de ses membres. C'est-à-dire que
1 plus 1 égale 3, quoi. C'est-à-dire, donc en fait, il ne s'agit pas de savoir si l'un et l'autre satisfait sa passion personnelle, mais de savoir est-ce que le couple va satisfaire une passion commune. Et donc, du coup, ça renvoie au fait que chacun peut avoir sa passion personnelle, mais l'important, c'est de savoir si le couple a une passion commune. Et donc, peut-être, il doit chercher cette passion commune en échangeant, en communiquant, en négociant, voilà, pour la trouver, quoi. D'accord. Alors, tu changes un peu la donnée du problème. Hein, il ne s'agit plus de... Oui, parce que j'essaye de... Oui, bon, ok, d'accord. Alors, je la répète, tu me dis si c'est ça. Donc, il ne s'agit pas de convaincre l'autre de ma passion ou de me laisser emporter par sa passion. Il s'agit plutôt de voir qu'est-ce qui, dans le couple, qu'est-ce qui, dans... Comment, qu'est-ce qu'il y a de commun dans le couple qui fait que... Ou alors, voilà, qui soit commun dans le couple ou qui n'est pas forcément préétabli, qu'on va chercher a posteriori, ensemble. On va chercher, créer, ensemble. En fait. On va avoir une création commune, en fait. D'accord. Et ça renvoie à ce que disait tout à l'heure, je ne me rappelle plus de son prénom, mais elle parlait d'évolution, en fait, qu'on évoluait dans le couple. On ne restait pas le même. Chacun ne reste pas le même, en fait. Il y a un dialogue. Ouais. Donc, le couple, c'est en fait une évolution de chaque unité, quoi. Donc, en fait, mais tu dis, il y a trois entités. Il y a chaque membre du couple et puis il y a le couple. Voilà. C'est ça. Et donc, ce que tu as l'air de dire, c'est qu'il faudrait que le couple, il trouve ce terrain commun et qu'il va se construire ensemble, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça nous apporte un éclairage? Qui pense que l'éclairage de Philippe, là, est important? Vous pouvez lui dire si ce n'est pas important et il ne va pas en faire une maladie non plus. Hein, qui ne voit pas tellement l'intérêt de cette distinction. Alors, il y a trois personnes qui ne voient pas trop l'intérêt. Alors, on va demander pour ceux qui voient l'intérêt de cette distinction, puisque maintenant, on parlait de couple, il nous parle d'une sorte de trio, quoi, chaque membre du couple plus le couple. Et pourquoi ce serait important, cette distinction? Donc là, il nous faut des avocats de Philippe, des avocates. Alors, Delphine, vas-y. Pour aller dans le sens de Philippe, là où je le rejoins, c'est que ce qui me nourrit de mon côté autant que le partage d'activité, c'est le fait d'être chacun de notre côté hyper heureux. Donc, il y a le couple avec ce qu'on va partager en termes d'activité, mais le fait que l'autre arrive déjà tout heureux de ses propres activités, il peut pas... J'ai pas besoin de les partager, j'ai même pas besoin d'en savoir trop, mais de le voir lumineux de ça, et ben voilà. Du coup, j'entends bien l'idée de trois, d'une personne heureuse d'un côté, d'une personne heureuse de l'autre, et du partage, ou d'une personne qui a des problèmes, et on les partage. D'accord. Donc l'idée, chacun s'épanouit dans l'activité, musique, etc., etc. Et ça va nourrir ensuite la troisième entité qui est le couple lui-même. C'est ça? Donc là, dans cette vision philippienne, là, il y a cette sorte d'indépendance de chacun des membres du couple, mais il y a aussi ce qui les réunit. Hein, parce que tout à l'heure, c'était plutôt deux. Je t'emmène dans ma passion, tu m'emmènes dans ta passion, et là, on voit cette troisième entité. Alors... Mais est-ce que tu nous as montré vraiment pourquoi c'est important de la distinguer dans ton argument? Eh bien, est-ce que quelqu'un voudrait peut-être, si vous pensez que cette idée a du sens, est-ce que ça vaut le coup de la renforcer encore? Pourquoi cet argument, cette idée de concevoir cette entité du couple à part peut être important? Alors, il y a plusieurs personnes, peut-être on a un peu moins entendu. Axel, il me semble qu'on t'a un petit peu moins entendu, ouais, vas-y.
Bah moi, j'irais dans le sens de Philippe pour dire que c'est important parce que c'est peut-être finalement la recette d'un couple qui fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, on est une personne de chaque côté et qu'elles aient toutes les deux leur passion, leur vie, en fait, qu'elles soient toutes les deux bien avec elles-mêmes et qu'elles se retrouvent dans une sorte de sphère au milieu, donc le 1 plus 1 égale 3, donc la sphère qui est le couple, et que ce couple fonctionne bien, forcément, vu que les deux personnes sont bien avec elles-mêmes. Tandis que si on pensait différemment, à une personne qui n'est pas bien avec elle-même, une autre qui est très bien avec elle-même, la personne qui n'est pas bien avec elle-même va peut-être avoir tendance à être soumise ou à suivre l'autre personne dans ses passions, pour en revenir aux passions. Mmh. Et du coup, ça ne sera pas forcément un couple qui fonctionne. D'accord, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris, Axel ? Oui. Donc, Axel, dans ce que tu dis, y a l'importance que chacun trouve à s'épanouir pour que le couple fonctionne. Et si, s'il y en a un qui n'est pas épanoui, le risque, c'est qu'il entraîne l'autre, enfin, qu'il soit entraîné par l'autre, mais que lui, il perde un petit peu la possibilité de se développer, quoi. C'est ça. Donc, la condition du développement dont parlait Delphine tout à l'heure, ça serait qu'il y ait cette entité-là du couple, plus chacun de son côté. Est-ce que c'est ça? Alors, Delphine, je te vois faire la moue. En fait, pour donner une image, pour moi, c'est un peu comme une maison avec des pièces. Et du coup, là où le couple est... Et du coup, ça ne peut pas vivre s'il n'y a pas des pièces où on se replie et où on reprend l'énergie. Enfin, je vois ça comme des pièces. Je ne sais pas si ça nourrit la réflexion, mais... D'accord, et donc il y a le salon, on se retrouve au salon, puis chacun sa chambre. Ou à la cuisine. Okay. Bon, alors. Ouais, est-ce qu'il y a des personnes à qui ça ne parle pas? Du coup, ceux qui ne voyaient pas de l'intérêt de de dégager cette entité du couple, est-ce que maintenant vous voyez l'intérêt? Est-ce que vous avez changé d'avis? Parce qu'il y avait trois personnes qui ne voyaient pas trop l'intérêt de la distinction de Philippe. Vous avez changé d'avis ou pas? À ne pas partager des choses importantes avec son conjoint qui se reconnaît là-dedans. Il a vécu des choses importantes et j'aimerais aussi les partager avec lui. Oui. 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 Donc, voilà. C'est qui a déjà ressenti ça au moins une fois dans sa vie, quoi. Je n'ai pas partagé des trucs super qu'il a vécu et j'en souffre, qui a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie. Bon, oui. Donc, c'est quelque chose d'assez courant, Jennifer. Et au fait, pourquoi ça peut nous faire souffrir? Oui, Sophie. Bah, c'est si on passe complètement à côté de la vie de l'autre, que l'autre n'est pas dans sa vie du tout, quoi. Oui. Et que l'autre, il a une vie totalement dont à laquelle on a zéro accès, quoi. C'est là que ça devient problématique, ça devient une souffrance parce qu'on est, on est à côté de la plaque et du coup, on ne partage plus rien. Et du coup, là, ça, quand ça devient dans l'excès, toute une question de mesure, quoi. Voilà, oui, une question de mesure. S'il vit des trucs très bien sans moi, si c'est... une fois dans la semaine, ça va. Si c'est tous les jours. Si je partage juste les enfants, les tâches ménagères, les galères, là, il y a un problème, quoi. Ben oui. Ouais. Okay. Qui sort et va ailleurs, voilà, c'est ça. Là, il y a un problème. Oui, ben, il y a des couples, où ça se produit, où on ne partage plus rien, quoi. Juste le quotidien. Et là, le couple commence à aller mal, il n'y a même plus cet espace commun dont parlait. Enfin, l'espace commun est réduit à faire la vaisselle. Donc là, il n'est plus très nourri, notre espace commun. Je suis désolée, j'ai été interrompue au moment où c'était à moi de m'expliquer. Ah, bah oui. C'est marrant comme. Oui, c'est rigolo. L'informatique. Elle est prise par son émotion, là, on a touché une carte sensible. Des fois, ça arrive, mais non, ça va. Bon, et alors maintenant, est-ce qu'on pourrait montrer, c'est une très bonne chose, je n'ai pas partagé avec mon conjoint un truc formidable qu'il a vécu, et c'est très bien. Est-ce que quelqu'un voudrait défendre ça? De...
Donc, défendre l'impensable de Jennifer, là, c'est-à-dire ah, ouais. Bah, l'autre a vécu une chose formidable et c'est très ah, bien, bah... moi, j'en suis. Qui veut défendre ça? Il y a des choses qui sont inavouables. Oui, c'est-à-dire. Ah, tu m'as très bien compris. On peut avoir vécu une chose formidable par ailleurs qu'on n'a pas du tout envie de partager. Ça peut arriver. D'accord. Donc là, ce serait de l'ordre de ce que d'aucuns qualifieraient d'infidélité, pas Fourier. Par, mais... par exemple. Voilà. Donc, alors là, si on est Fourier... Et on aimerait peut-être que l'autre en fasse de même, d'ailleurs. Oui, alors... Bah, ne là, pas nous partager forcément ses émotions. Bon, mais alors, si... Donc là, c'est une bonne chose que l'autre ait vécu ça. Évidemment, je n'ai pas envie de le partager avec lui. Mais c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour le couple? Bah, à la Fourier, on pourrait dire que c'est une bonne chose. Voilà. À la Fourier, merci. Oui. Fourier, ah, mais non, parce c'est que une Fourier très bonne partage... chose. Hein. Partage... Il y a des passages comme ça dans Le Nouveau Monde Amoureux. Où Fourier dit, ben, la femme ou l'homme que j'aime ressort de chez son amant ou son amante, il est complètement épanoui et tout, il est super bien. Et ben, je suis très heureux de ça. Hein. Oui. C'est dans la vision fourriériste. Alors peut-être que parce qu'il y a le couple justement qui se retrouve et chacun est épanoui, mais on se retrouve dans le couple. Voilà. Bon. Alors. Est-ce que... Qui est fourriériste parmi vous? Ça dépend du sujet. Mais Fourier, lui, il partage son émotion. Il rentre chez sa compagne officielle et il lui dit « Je suis très heureux, j'ai passé un bon moment avec quelqu'un d'autre. » Voilà, oui, oui. Oui, bah ça, non. Donc, tu ne veux pas savoir. Donc, là, t'as... Ta femme, ta compagne, elle est épanouie, mais tu ne veux pas savoir pourquoi. Pour ce genre de choses, je préfère pas savoir. Enfin, là, en l'occurrence, maintenant, c'est un peu différent, mais... Bon, alors, qui n'est pas d'accord ou a un problème dans ce que dit Antoine? Il ne veut pas savoir. Donc là, il ne veut pas tout partager, mais en même temps, il ne veut pas savoir. Alors, il y a la question de savoir ce que l'autre fait ou de ne pas savoir ce que l'autre fait. Est-ce qu'il pense que je n'ai pas besoin de savoir ce que l'autre fait, y compris si d'ailleurs il m'est infidèle, qui pense que je n'ai pas besoin de le savoir? Bah, ça dépend. Si son infidélité est une passion qui la dévore et qui, comment dire, lui fait négliger complètement l'officiel, on va dire, c'est pas la même chose que si c'est un petit moment agréable passé. C'est plus une passion, c'est... D'accord. Donc la passion dévorante, là, elle risque de détruire l'entité du couple dont parlait Philippe. C'est ça? Voilà. Ouais. Donc, est-ce que l'autre peut vivre, y compris des relations extra-conjugales, si ça ne détruit pas l'entité dont parlait Philippe, le couple, qui pense que oui. Oui. Alors, on va voir. Levez la main ceux qui pensent que oui. Oui, oui. Je n'ai pas compris la question, moi. Alors, la question, c'est qui pense que on n'a pas à savoir tout ce que fait l'autre, y compris il peut avoir des relations extra-conjugales, et qui pense que oui, c'est possible si ça ne détruit pas le couple. D'accord. Qui pense que c'est quelque chose de tout à fait problématique et impossible? Et parmi les personnes qui pensent que c'est problématique et impossible, est-ce que vous pourriez dire pourquoi? Valérie, tu aurais une hypothèse pourquoi ça serait problématique? Parce que, alors après, ça dépend un petit peu du contexte familial, mais disons, si on prend un couple sans enfant qui n'a d'autres points communs que de s'aimer, donc qui n'a pas d'autre cause matérielle d'être ensemble,
je ne vois pas l'intérêt de rester avec une personne que l'on trompe. Si on, voilà, c'est tout simplement ça. Après, bon, il y a des contingences familiales qui font qu'on reste quand même. Parce que, mais voilà, dans l'absolu, je ne vois pas l'intérêt de rester avec quelqu'un si on a envie d'aller coucher avec une autre personne. Ben, on peut... Attends, on va voir. Donc, Valérie ne voit pas l'intérêt. Okay. De rester avec la personne. De rester avec la personne, autant partir avec l'autre, du coup. Qui pense que... Autant vivre sa vie sexuelle ailleurs, librement et honnêtement. Oui. Alors, ouais, on va voir, mais qui verrait un intérêt, donc, à ce type de relation, qui verrait un intérêt, Philippe hein. Si c'est d'un commun accord, c'est sûr que il y a un intérêt puisque c'est la satisfaction de désir sexuel qui forcément satisfont l'un et l'autre. Mais si c'est pas d'un commun accord, c'est impossible. Oui. Hein. D'accord. Et là, du coup, ça veut dire effectivement, le terme a été utilisé, ça veut dire tromper. Et donc, oui. Personne n'a envie d'être trompé. Voilà, de ce point de vue-là, c'est impossible. Ça ne serait possible que s'il n'y a pas de tromperie dès lors que chacun se dit à l'égard de l'autre libre de façon convenue, quoi. Ils sont d'accord. Donc, Philippe, ça dépend ce qu'on va mettre dans l'entité que tu appelais couple. Voilà. Est-ce que je mets le sexe, la relation sexuelle exclusive dedans ou est-ce que je peux la mettre aussi de chaque côté? Voilà, c'est ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette relation couple, du coup, pour ceux qui sont d'accord avec Philippe, qu'est-ce que vous mettez dans la relation couple? Alors, si vous ne mettez pas le sexe, la sexualité en exclusivité, vous mettez quoi? Pour les fourriéristes, là, s'il y a des fourriéristes parmi vous, Corinne? Je trouve qu'on va vite sur mettre du sexe dans une relation extra-conjugale. Peut-être que ce qu'on partage avec d'autres n'a rien à voir avec le sexe. Mais par contre, en fait, comme on a vu tout à l'heure, je ne sais plus sur quel philosophe, mais on peut partager des choses extrêmement fortes avec une autre personne que son conjoint. Donc, on lui enlève aussi quelque chose, mais pas forcément du sexe. Pas forcément d'ordre sexuel. Ouais. On peut le sexe avoir peut rester avec le conjoint. Ouais. Et puis avoir d'autres choses à partager et mettre du temps, consacrer du temps à ces relations-là. Ouais. Et bon, mais là, alors, on met du sexe dans cette extra-conjugalité qui. Oui, parce qu'on peut avoir des relations amicales ou liées à des passions justement extrêmement intenses avec des personnes hors du couple. Et oui. Il semble que ça suscite moins de jalousie que si c'est plutôt des relations d'ordre sexuel. Pas forcément vrai parce que ça prend du temps au conjoint aussi. Temps, ouais. Oui. C'est partir en vacances, un week-end avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est un choix. Voilà. Donc, mais alors, du coup, je crois que tu ne réponds pas à ma question. Et j'ai oublié ma question. Ah. C'était quoi la question? C'était qu'est-ce qu'on met dans la sexualité. Qu'est-ce qu'on met dans l'identité couple? Qu'est-ce qui reste dans le couple si ça n'est pas le exclusif. Sexe? Et moi, je dis qu'il peut rester le sexe dans le couple, mais il y a d'autres partages qui sont tout aussi importants dans le couple qui se partagent avec d'autres. Qu'est-ce qui est indispensable dans ce noyau du couple dont parlait Philippe, pour ceux qui sont d'accord avec ce qu'il disait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a d'indispensable qu'on ne peut pas ôter, sans quoi le couple n'existe plus? Delphine. Moi, ça se construit pour chaque couple, ce qu'il y a d'indispensable. La chose indispensable, c'est que dans cette pièce-là, dans ce couple, ça doit être aussi puissant que dans les pièces séparées. C'est-à-dire que tout ce que l'individu va vivre dans les pièces séparées, ça va me nourrir dans le couple, que ce soit du sexe ou autre, ça, on se met d'accord. Mais le seul truc important, c'est un peu ce que disait Corinne, avec le temps, c'est que s'il passe plus de temps, mais surtout si moi, dans mon entité couple, c'est pas au moins aussi intéressant que dans mon entité individuelle, j'ai plus d'intérêt d'aller dans cette pièce. Je vais rester dans la mienne ou aller dans d'autres pièces que j'ai créées avec d'autres personnes. Après, que ce soit le sexe,
une passion commune, une activité, oui. Co-construit. Oui, d'accord. Je crois. Donc, ça dépend des couples, peu importe ce qu'ils vont mettre concrètement dedans, mais il faut que cette entité, elle soit au moins aussi intense, peut-être même plus, que les deux autres, c'est ça? Hein? Pas mal. Ça vous va comme idée? Ouais. Bon. Alors, autre chose, on va bientôt conclure, hein, parce que ça fait 2 heures là, qu'on cogite. Pour ceux que ça intéresse, on pourra continuer. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur le couple. Parce qu'on a abordé finalement que la question du partage, de l'organisation du partage et des valeurs, parce que c'est quand même très important, me semble-t-il, dans un couple. Mais il y a certainement d'autres questions qu'on pourrait préciser. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur cette... Parce que finalement, notre réflexion, il semble qu'elle nous achemine vers cette entité là dont parlait Philippe, ce couple. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entretenir, Corinne? Oui, je dirais que c'est prendre des rendez-vous. Oui. C'est une façon que j'expérimente depuis quelque temps. Et oui. Prendre des rendez-vous, alors dans la pièce, comme dit Delphine, il y a une pièce des rendez-vous dans la maison où on va partager ce qu'on a en commun. C'est ce que disait Philippe aussi tout à l'heure. Il y a une chose qu'on fait en commun, qu'on a trouvée au cours du temps, qui est par exemple chez nous de voyager. Et ben, on se retrouve pour préparer, organiser nos voyages. Mais de chaque côté, chacun fait ce qu'il aime faire, mais on prend des rendez-vous. Et c'est ça qui est un peu le ciment. D'accord. Donc, prévoir ces temps-là pour... Oui. Ça, hein. Sinon, ça risque de se diluer si on ne le fait pas, peut-être. Ouais. Ben, on se perd, oui. On peut se perdre puisqu'on a chacun nos vies. Ça peut être le risque des couples dont parle Delphine, pas le couple 2-2, mais le couple avec les 3 entités. C'est que finalement, l'entité couple, elle disparaît au profit des 2 autres. Et du coup, il y a éloignement. Donc, comment conserver cette 3e entité? Alors, des rendez-vous, vous avez une autre idée? Comment conserver cette entité couple? Est-ce que vous avez d'autres suggestions? Nathalie? Oui, je trouve qu'il y a... Enfin, là, dans la manière de décrire la situation, ça me donne l'impression que, en gros, qu'il n'y a pas tellement la notion de volonté, en fait, de qu'est-ce qu'on veut construire, en fait, dans le couple. Et moi, j'avoue que je trouve que c'est vraiment... la base, parce que sinon, on pourrait très facilement, en fait, se disperser... suivre des envies, des passions, etc. Et finalement, négliger le couple, ce serait quelque chose d'assez naturel, quoi, finalement. Donc, ça nécessite quand même une volonté et du coup, une envie de base, mais un engagement aussi. Oui, donc on revient un peu à notre problème de départ. Dans quelle mesure la relation de couple, elle doit... ou pas s'appuyer sur quelque chose qui est un peu de l'ordre de la volonté, parce que ce que disait Sophie pour commencer, ça se fait naturellement en principe, le couple, l'amour, il n'y a pas de volonté dedans, mais on voit que peut-être si, d'ailleurs ça serait assez Kierkegaard dans sa vision éthique du couple, il y a quand même un engagement qui implique quelque chose qui est un peu de l'ordre du devoir, voilà, on s'engage quand même, qui demande un certain effort, c'est pas complètement spontané. Ok, ben c'est une question. Hein. Dans quelle mesure, dans un couple, on met de la volonté ou ça se fait naturellement? On voit bien. Le risque que tu pointes, Nathalie, c'est si ça se fait naturellement, ça se délite. Donc, peut-être, il faut mettre un peu de volonté. Allez, qui veut conclure? Est-ce que quelqu'un pense avoir une idée qui va nous permettre de petite conclusion? Oui, Philippe? Ben, moi, j'étais parti d'une hypothèse qui était différente, en pensant que le conflit, c'était à la limite nécessaire au couple, et que c'était même une condition du couple. Mais bien évidemment, même si le couple s'éprouve par le conflit,
bien sûr, il ne doit pas rester sur le conflit et donc il doit chercher en permanence à négocier. Mais en même temps, c'est une négociation sans contrat, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de, c'est pas formalisé, c'est quelque chose bon, qui reste sur des, un équilibre, bon, certains ont dit naturel, mais voilà, qui, mais quand même avec des règles communes, voilà. Et donc, je pense à quelqu'un, à Alain, là, sur la question, comme Alain, sur la question de la volonté, parce qu'il dit. Pour qu'un couple y dure, et bien sûr, il ne va pas durer sur la passion, il va durer sur la volonté, justement, sur la raison, sur le fait qu'à un moment donné, eh bien, on va rester ensemble parce qu'on a décidé de le faire et qu'on va établir justement rationnellement ces règles-là. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que parler de l'amour et de raison, c'est quelquefois c'est ça peut oui. dynamique. D'accord, donc là tu poses le problème de la place des sentiments et de la raison et de la réflexion dans le couple, comment ça s'agence. Oui. Alors, au pour début, durer, pour durer, ça peut pas rester sur la que sur la place sur le sentiment. Oui, donc comment je vais mobiliser ma réflexion et ma raison, peut-être pour justement redonner de la possibilité au sentiment. Il y a peut-être une dialectique raison-sentiment. Parce que s'il n'y a plus de sentiment, si c'est uniquement basé sur le devoir, ça va être un peu tristouné. Mais peut-être qu'il peut y avoir une dialectique raison-sentiment. Voilà, à moins qu'il y ait un devoir sentimental. C'est-à-dire, par exemple, le fait de comment dire, de respecter le respect de l'autre. Bon, la dignité, le fait aussi d'être reconnu, donc il y a une réciprocité quand même, c'est pas seulement dans un sens, hein. C'est, il faut qu'effectivement il y ait une l'idée de réciprocité. C'est, voilà, c'est, bon, on va conclure sur notre entité couple, comment on fait pour la maintenir, voilà. Mais... Eh bien, merci pour vos réflexions. J'espère qu'elles aideront chacun dans leur couple ou dans... On pourrait parler du célibat, je ne sais pas qui est célibataire, qui est en couple. Enfin, ça serait un autre sujet. Ok, bien. Eh bien, si quelqu'un veut faire un retour sur l'atelier, ou sinon vous pouvez le faire par écrit aussi, sur Facebook ou... Oui, bon. Les pouces de Facebook. Ok, bien. Et ben bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.